La rediffusion, bien sûr, parce que personne ne sera là en 10 secondes de stream, c'est impossible. Même le bot, il est pas là. Et pour la défense du bot, c'est toujours pas là. Le stream. Ah là, ça débarque. Ah, voilà. Salutations, bien sûr. Salut AD. Salut, salut. Donc, nous nous retrouvons aujourd'hui pour du Ratchet & Clank 3. Ça fait approximativement 4 mois. 5 mois même. Il n'y a plus eu de Ratchet & Clank 3 sur cette chaîne. Merci la patate. Patate réactive. Qui a repris du service, visiblement. Donc aujourd'hui, c'est un stream de soir. Et c'est un stream planifié. Effectivement. Chose que je n'ai plus faite depuis des mois. Hein. Du coup, et là, je vais pouvoir prouver au monde, et surtout à Louink, que ça ne sert à rien d'avoir un planning, vous le verrez avec la ruée de viewers qui vont venir sur cette manif. Voilà, enfin sur ce live. Non, mais... voilà, c'est bon. Donc la dernière fois, nous avions terminé le jeu, alors je sais plus du tout. Je sais qu'on avait fait Nefarious avec un stock d'armes réduit, mais je ne sais plus si j'ai commencé la vidéo à la fin du combat en mode « Oh putain, j'ai réussi », ou bien si j'avais tout record et que ça durait deux heures. Tout tu peux refaire. Je ne sais plus, dans le doute, on va le recommencer, je pense, pour être sûr. Non. Nous avions fini le jeu et donc nous avons la possibilité de faire ce qu'on appelle un NG+, comme dans les autres Ratchet & Clank d'ailleurs. Hein, et du coup, bah c'est parti. Je suis avec AD. Alors AD ne va pas streamer aujourd'hui par contre, parce qu'il est un peu... La flemme. Voilà, il a la flemme et je le comprends. D'ailleurs, allez, salut ce stream, hein, ça ne sert à rien. Allez hop. So long. Mais ouais, on avait fait une run où on n'avait pas le droit d'acheter d'armes autres que celles disponibles sur la première planète du jeu. C'était horrible. Et par contre, Zelda visiblement avait farmé pour avoir l'armure. Oui. Plus fort déjà. Faudrait que je l'achète du coup. Ah mais je t'ai nourri. Parce que ouais, tu vas déjà t'amuser, t'auras même pas de quoi acheter des armes. Ah bah là, c'est ça la force du farm. Alors effectivement, nous avons du New Game Plus. Nous avons 4 armes, effectivement, c'est très très embêtant. Oh, on s'emmerde. Comment ça marche? Elles sont toutes V5. Ah oui, du coup, ça ne sert à rien. Hein. Voilà, j'espère que vous apprécierez. Cette roue à armes, l'explosure, les ryptogrenades, l'ouragan et le fouet quantique. Voilà tout. Alors maintenant, on peut les monter au-delà maintenant de la V5. C'est ça qui est quand même bien. Non. En fait, non. Bah non, c'est comme dans le 2, vous vous souvenez. Faut les racheter. Oh, c'est la même merde. Ah oui. Bon, ouais. Mais t'as pas un lance-grenade qui coûte 20 milliards Bon, ouais. Et t'auras débloqué aussi une nouvelle arme dans le shop. Mais on n'en est pas encore là. Oui, bah nous allons voir le shop, ce qu'il donne, hein, justement. Et du coup... Ah oui, on va skipper les trucs, parce que sinon on ne va jamais s'en sortir. Ah, les ennemis, ils tankent. Hein. Mais du coup, la nouveauté du New Game Plus, c'est qu'il y a le multiplicateur comme dans le 2. Ah oui, qui permet de gagner bien plus de pognon. Hein. Ouais, qui permet de monter jusqu'à x20. Il y a peut-être un ERA de merde d'ailleurs pour avoir le. Pour avoir le x20 hein, d'ailleurs. Il y en a un pour le x20 et un pour le x40. Mais c'est basiquement la même chose. Et mon nombre maximum de nanotes sec vient d'augmenter. Ah, t'étais même à 100 PV? Ouais. Ouais. J'étais stock à 88, mais ça va monter très vite à mon avis. Ah ouais. Ah bah là, l'XP ça va... Non mais là, il m'a donné son arme. Parce que là, j'ai déjà pris deux niveaux. Non, qui est la même. Alors oui, on s'était mis avec cette caméra-là. La latérale. Ouais, que j'aime bien pour ce jeu, je la trouve bien, je la trouve pratique. Ouais, c'est un bon mélange entre le FPS et le troisième. Par contre, je me demande bien pourquoi mes gâchettes me font sauter. Ah bon? Voilà. L1? Oui. Ah, bah tu fais quoi avec L1 d'habitude? Bah, c'est quoi la touche pour lui, là? Pour s'accroupir, c'est R2. Ah ok, et comment il... Ah oui. Ah oui d'accord, oh putain le gars... Ah oui mais j'ai pas les bottes, c'est ça. Ah elles sont peut-être pas équipées de base. Ah on les a les bottes. C'est des équipes au New Game Plus. Moi je les ai. Donc je pense que tu les as. Ah oui, nous avons les bottes. Nous avons les bottes, ah, oui. Effectivement.
Merci, j'ai failli oublier les bots. Ah, t'inquiète. Ouais, il y a juste ces sortes. Comme d'habitude, c'est avec R1 que je m'accroupis. Ça, bon, là, je tire à la place, mais... Ouais, bah là, ça me fait tirer, en l'occurrence, oui. Ouais. Puis ça permet des glitches que je pourrais peut-être vous apprendre. Ah ouais. Quand on arrivera chez Quark. Ça m'intéresse de la magie nourrir avec vous. Oh. Ça permettrait de skip, je sais plus le nom de la planète, Aridia. Celle pour le téléporteur. Le téléporter. À la fin. C'est... Le téléporteur. Ça, t'as galéré avec... fallait activer tous les crans qu'on voulait à tourner. Tu sais, à la planète à la fin du jeu dans le désert. Où c'est plein de missions, c'est une base à attaquer, pareil. C'est possible. Ouais. C'est très possible. Là, on reviendra. La caméra, elle a des pulsions, là. Ouais. Attends, ça marche, hein. Ouais. Monte vite, l'argent. Ah, mais l'argent, je me suis fait 40 000, là, juste à l'intro du jeu, c'est n'importe quoi. Ouais, là, les... J'en fois 15, hein. Parce que je crois que j'étais à 400 000, là, au début. Et voilà, déjà millionnaire, hein. Oh non, je suis à 500 000. Je pense que j'ai gagné 50 000, genre. Olesia, par contre, ils savent pas jouer, hein, les rangers de l'espace, là. Ah bah, on dirait que c'est ChatGPT qui joue au jeu. On se demande à quoi ils servent, hein, vraiment. Ah bah là, j'en suis à me demander leur intérêt, effectivement. D'ailleurs, j'avais quand même boulot, merde, moi. Ah non, bah, vous montrez, je pense que vous l'aviez déjà vu, mais c'est vrai qu'on peut skip Florana aussi, hein, d'ailleurs. Effectivement. C'est un RA du 7 bonus, hein, d'ailleurs. Tu n'es pas par là. Peut-être que le jeu est... Ah bah, ils m'attendent. Ascendez à ce point-là. Bah, c'est vrai. Bah, c'est vrai que moi, je m'en souviens d'avoir fait 100 fois, là, mais... Ça, mais... Ah bah, j'ai le foie, pas. J'ai des petits bugs graphiques, hein, je tiens à le dire. Ouais. Je ne sais pas pourquoi. Ah mais je crois savoir, c'est parce que je regarde un stream Twitch, hein, je l'ai dit en même temps, je lurk. Ouais. Donc peut-être que... Ouais mais c'est pas censé impacter sur le fait qu'il y a des bugs graphiques. Ouais mais peut-être que ça, c'est du lag justement. Ah ça va, c'est beaucoup plus facile quand même lorsqu'on est au début du jeu ces passages là. Hein. Oui, tu te fais pas tuer en trois coups. Enfin là peut-être que si, je ne sais pas. Ah bah je ne veux pas leur laisser la chance de me toucher, hein, voilà. Je ne veux pas tenter l'expérience. Let's go sur Florana. Et salut étoile du tigre, bienvenue. Hello. Bienvenue sur ce stream de qualité. Vous êtes un grand fan de Ratchet 3, je le reconnais. Ça se voit direct quand vous... Ça se voit à votre... Oh non, j'ai perdu mon combo, il y avait des merdes. Les petites merdasses. Je vais aller chercher le x40 d'ailleurs et acheter des trucs dans la boutique. Oh, ça coûte si cher. Genre 7200 la Spiroc. Bah, c'est l'inflation. Le truc que tu obtiens en un mob maintenant. Ah, je peux acheter tout ce que je veux. Quoi. Enfin, tout ce que tu veux. Bah, je vais acheter ce qui coûte pas cher. Ah, bah, je vais gagner plein de RA. Il y a un RA pour acheter chaque arme. Trop bien. Quelle joie. Voilà. Tellement d'armes bien à acheter. J'aime bien le fissurateur. Le fissurateur. Ah, j'aurais pu avoir le x20 dans ce truc-là, ça dégoûte. Ah, par contre, comment je vais aller le voir, lui? Oh! Avec les angoisses, j'ai acheté 10 armes d'un coup. Tu vas peut-être pas être sur le premier écran. Moi. Ouais, l'aspire au canon. Après, je peux enlever mes armes qui sont en V5, du coup, tu me diras plutôt. Oh mon dieu! Oh mais. Il meurt pas? Voilà. Vous ne meurrez jamais ou quoi? Vous allez, c'est parti. Vous allez mourir, bonsoir. C'est bon, c'est gagné. Nous avons réussi. Le prologue. Voilà. C'était le prologue, hein, lol.
Allez, les ennemis vont être immortels. Immortels. Je viens de tuer trois merdes, mon arme est montée d'un demi-niveau. Quand même. Ah, on arrive déjà à Florana, quoi. Ah, déjà. Ouais. Ah, ça va être C'est la à peu près 40 déchéance. là. Ah Ça ouais. va être la déchéance, attention. Pouf! D'après les archives, tu as travaillé chez Gadgetron. Ah, mais c'est trop gentil. Ah, Alors. j'ai gagné 63 000 Oh, boulons. je peux acheter les méga, effectivement. Attention, hein. À ne pas J'ai confondre. dit méga, s'il vous plaît. Voilà. À ne pas confondre, elles ne sont pas très pareilles. Alors, même si elles ont une teinte, en l'occurrence ici, mon méga érupto grenade a une teinte plus sombre, mais voilà, attention. Attention Twitch. Attention, Twitch. Attention. Alors, par contre, je ne Ah non, peux j'ai rien encore un acheter. Hein. C'est quand même très extraordinaire. Oui, du coup. Mais ça veut dire que, effectivement, hein, vous avez raison, je peux acheter les merdes, en fait, les armes de merde. Mais le problème, c'est que Sauf les que armes là, de ils ont merde, 10% de rabais, ah, elles ont 10%, quoi. Donc je vais évidemment me précipiter sur l'aspirocanon quoi. et sur le plaque machin chouette, et ainsi passer à 86 rétro-achievements, s'il vous plaît. Et je vais pour l'instant économiser pour le reste. Ah bah le plaque, c'est vraiment une arme de merde, hein, pour le coup, oui. Je pense que c'est la pire Alors, du jeu. c'est quoi ce truc? Voyons voir, testons les armes. Tu vas t'emmerder. Et que se passe-t-il en fait avec cette En gros, arme? tu l'empoisonnes et il attaque ses ennemis. Enfin, tes ennemis, du coup. Ah, il donne la rage. Ouais, c'est un peu ça. Du coup, je me permets, j'utilise le skip de Florana Oh, ben allez-y, passer faites les skips directement. que vous voulez. Et quand il n'a plus personne à tuer, est-ce qu'il me tue moi ou bien non? Ouais. Enfin, il bouge plus, je crois. Ah mais attends, je vais tricher pour le multiplicateur. Quoi, 28? Bah c'est bon, j'ai gagné mon Mais c'est pas fois 20. multiplicateur. Oh, il a Ah fait bah, on n'a égal. pas compté plus fois 20. Oh, j'ai eu 30 000 balles, ah ouais quand même. Ouais. Derrière toi. Ah mais je Voilà, parce tue. que en vrai, je pense que la planète donne pas beaucoup d'argent, je pense, après. Ah, elle est passée niveau 1. Voilà. Elle est passée niveau 2, d'accord. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah ben. Enfin, niveau 3, bah même. C'est encore mieux. Oh non, j'ai perdu mon point 20. À cause du parcours. Bah alors, on n'a plus personne à tuer. Oh, les bruitages de Spyro, alors. J'ai reconnu. V3, ça va vite. Ah, moi, c'est V3, déjà, mon machin. Ouais. Ah mais il a été V2 pendant 2 frames, hein, je tiens à le dire. Hein. Je sais pas ce qui s'est passé. Ah c'est bon, j'ai eu les 42 secondes, mais... Il est mort? Possible. Il est mort. Impossible. Ah déjà? Ah bah... Ah, vous n'avez pas le temps. Quand ça t'amène directement au parcours... Ah par contre, faut bien choisir avec quoi je vais le tuer, quoi. Je pense que je vais essayer de le tuer à l'aspirocanon. Mais en fait, ce jeu, c'est infini. En fait, on va pas le faire en deux loops, c'est pas possible. Bon, ils sont un peu de tension pour l'instant, hein, les ennemis. Je sais pas ce qu'ils ont là, mais. Aïe, par contre, il m'a mis 50 HP Quark dans la gueule. Sur 94, ça fait beaucoup. Allez, réveille-toi! Aïe! Oh! Derrière toi, allez! Bientôt Contre, les armes, même V4. au niveau 1, elles sont OP. Hein. Et du coup, je suis obligé, bien sûr, de les avoir en V5 pour pouvoir les acheter les mégas. Oui. Formidable. C'est là l'information dont je voulais disposer. Ah, mais j'ai le secret maintenant. Après, on sait toujours pas le total des boulonnades dans un niveau. Alors ça, c'est terrible. Non, tu le vois au vaisseau, c'est tout. C'est quand même con, moi je trouve. Je trouve qu'il faudrait vraiment un écran de des stats totales. Pense sur PS3, t'as, mais je suis pas sûr quoi. Ça me quoi qui donne. Ah non, j'allais dire, il me donne qu'un demi-niveau Il donne d'aspirocanon. un demi-niveau. Ça s'amuse bien, Étoile du Tigre. Bienvenue. Comment êtes-vous tombé sur ce stream, Étoile du Tigre? Si jamais ça vous fait chier que je le dise en entier, n'hésitez pas à me le dire.
Je m'assurerai de le répéter encore. Encore et encore. Histoire d'être assez désagréable. Ouais, bah non, je vais rien acheter. Bah, en fait, moi, je me dis, je vais vraiment être procédural et... c'est marrant. J'ai tué Quark à la Spyro Cardo et la barre d'XP, elle dépasse de l'écran de l'émulateur. Oh, je veux essayer, je dois absolument faire Quark à la Spyro Cardo. Il faut absolument... Bah, elle est passée en V5. C'était rapide, hein. Tu veux bien le toucher, oui. Alors, lui, ça va être compliqué à le toucher. Enfin, faut le toucher plusieurs fois pour que ça marche. Voilà. Ça a marché. J'ai réussi. L'affecté. Je suis impressionné qu'elle soit passée en V5 direct quand même. Le pouvoir du chaos. Ah mais non, je voulais pas le pouvoir du chaos moi. J'en veux pas, ta saloperie. Ah merde. C'est de la merde le chaos. On avait eu toutes les boulons. J'en veux pas. C'est les vidéos fun. Bonne chance que je suis invincible. Après ça a monté mon multiplicateur, cela dit. Voir le côté positif des choses. C'est tellement long à arriver le x20, comment ça se fait que c'est si lent? Par contre, je pense si tu te fais toucher pendant le pouvoir du chaos, tu perds quand même le multiplicateur. Mais non, je l'ai encore. Ah ouais, tu l'as encore? Ouais. Ok, tant mieux. Alors, on tourne en rond. Allons voir Sacha. Le produit de consommation. Mais le compte est bon. Ah, la caméra! Ah, c'est 6000 boulons d'échauffement, ouais. On va se faire foutre. Hein. J'ai mal fait mon saut mural, je l'ai fait pile au milieu. LOL. Bah tant mieux, ça a marché. Ah, parce qu'il y avait un secret. Bah, il y avait des caisses, je crois. Bah, c'est oui. Vrai que vous avez le cartomatique. Le cartomatique. Bah après, il y a peut-être... Ah oh, oui, 7000 balles, quand même. Ça me déconne pas. Je saurais plus dire quel trop. Vous t'avais eu... Donc, genre si t'avais eu celui de cette planète en trophée. Non, il y a un secret là, c'est abusé. Ouais. Là-bas? Je peux marcher là-dessus, moi? C'est autorisé? Ouais, tu peux. Mais c'est n'importe quoi. Moi, je pensais que je glissais sur ce truc. Ah non, non. Ah d'accord. Tu peux faire du bon out of bound de cette manière. Ah bah du coup, il est là, le trophée. Ouais, d'accord. Mais ouais. Et il fallait le trouver, hein. Ça, je me souviens, j'avais réussi à le trouver quasi tipiti. Je sais pas comment. Bah, le cartomatique, j'imagine. Moi, c'est le cartomatique qui m'a fait me dire, ah, je peux y aller. Je sais pas. Je ne sais pas. Parce que c'est un secret, un peu dans le secret, quoi. Impossible. Est-ce qu'il y a une histoire de je peux maintenir la touche enfoncée pour faire plus de. Ah, la boule, elle glisse sur le sol. Ah, ouais. Je trouve vraiment que c'est une arme de merde, je m'en sers jamais. Ah non, c'est nul, hein, mais faut bien la mettre V5. Tu fais des streams par jeu et t'as pu te trouver. Ah, donc tu aimes vraiment beaucoup Ratchet 3. Mais ça fait plaisir. Donc ça sert à quelque chose de mettre les catégories de jeu AD, vous voyez? T'as vu ça? Mais il y en a deux des up, il y aura Arsenal, donc ça va que t'as mis le bon des deux. Quelle chance. Parti pour Barcadia. Ah, je vais pouvoir refaire un x40 en Barcadia. Bah, du coup, comment tu fais pour faire des x40? Bah t'as la caisse x2. Quand t'es en x20. Pas de C. Bah oui, effectivement. Oh, c'est imminent le x20 à la Fopadec. Allez, l'infecture. C'est sous le Ratchet de la PS2. Ah, d'accord, cool. Tu adores Ratchet. Ah, tu peux faire un fil de plusieurs jeux sur Twitch? Ou c'est avec un outil externe? C'est un outil externe, j'imagine. Ouais, parce qu'il me semble pas que Twitch soit... Aussi... Ah, c'est bien. Ah, il est temps de crever, hein. L'herbe. Ah, j'aime bien le bruit du... Comment ça s'appelle? Infecteur? Infecteur. L'infecteur. Blair. Comment ça, il voulait me toucher alors que j'avais le machin? Ça n'a aucun sens. Bon, le couloir de la mort, alors? Ah, mais j'ai x19, ça va me faire chier. Je te le dis, ça va me faire chier de perdre mon x19. Il suffit de pas le perdre. C'est plus pratique. Ouais, voilà, c'est ça. C'est plus pratique, effectivement. Ouais. Y'a quoi, là? Je suis curieux. Ah, c'est pour repartir, non? Bah, ça va, tu peux revenir. Lorana, The Path of Death. Il y a un truc. Ah oui, il y a un time, non?
Ouais, pour faire 42 secondes, mais de toute façon, il y a un point de compte pour le faire en moins, donc... Et par là-bas, j'obtiens donc... Ah, mais je suivais 5. Ah bah, ouais. Il est temps de passer à quelque chose de mieux. Tel que l'aspirocanon, bien sûr. Ah, mais les ennemis sont morts, ils ne reviennent pas. Faut quitter la planète, ouais, pour qu'ils soient considérés comme morts. Mais vraiment, l'aspirocanon, t'as assez pour faire passer de V1 à V5 sur quoi. Enfin, c'est ce que ça va faire. Et je pense qu'il y avait encore de la marge. Bah, allons au sentier de la mort alors. Et perdons notre x19 et soyons deg. Ah, le... J'avais oublié à quel point le canardator était tellement mieux que le moutonator des deux premiers. Le moutonator. Bon, bah, on va me prendre autre chose en attendant. On va prendre le hydrocrasher. Ça, c'est une arme que j'avais pas avant, mais au final, c'est pas si pire. Ah, t'as le pistolet à lave aussi qui est très très cool. Le gant à mini tourelle est insane. Je me souviens du gant à mini tourelle comme étant une arme incroyable. Ouais, tu sais quoi, on va prendre. Prenons ces deux-ci. Et montons à 89 ERA. Évidemment, le compte d'ERA n'est pas le bon, hein, je le sais déjà. Mais voilà, je me suis déjà trompé. Y en a trop d'un coup. Lol. Bon, j'ai beaucoup d'armes par contre, là. Ça va être compliqué de tout devoir s'occuper, là. Ça va être des obstacles, hein. Y a pas de. Y a des ennemis ou. Oui, y a des ennemis. Bon. Ça me fait chier, je vais perdre mon x19 à des. Bah. Prenez pas de dégâts. Ça m'agace. Je suis désolé. Ah, par contre. Ah, d'accord. Ah, bah j'ai le x20. Oh, je viens de le perdre. Oh, le bol. Ah, le bol. Salle du Phoenix sur PSD, j'ai toujours essayé sur ordinateur. Ah bah nous, je garantis pas de faire un 100%. Comme je vous l'ai dit... Non, mais je sais pourquoi ça tremble comme ça à l'écran, c'est les mises à jour. Je reconnais ça. C'est la faute des mises à jour, ça, je reconnais. Ouais, parce que si jamais on fait des rétro-achievements, je ne sais pas si tu connais. Effectivement, nous faisons des rétro-achievements. En gros, nous, grâce à des émulateurs spéciaux, nous avons des succès sur les jeux, parce qu'on joue sur les versions PS2, on n'est pas sur PS3. Ouais. Contrairement à ce que... Le principal même qu'elle est trop PS3. Pourquoi? Et on n'a pas de trophée quand on met V5 une arme, ça me sidère, ça. Bah, je pense que c'est parce que t'en as un quand tu le rachètes. Ah, j'ai pas racheté de méga arme, effectivement. Donc je ne peux pas savoir. J'avais pas acheté non plus, vu le prix, mais... Oh, 45. Allez, mourir. La mission. Bon, vous êtes très buggé. Est-ce que je peux refaire... Est-ce que si je meurs, je dois refaire le couloir de la mort depuis le début, on est bien d'accord. Hein. Ouais. Bah après, pour mourir, faut y aller quand même. Bah je me demande si je vais pas faire exprès de mourir pour avoir le time, parce que je pense que le time, je ne l'ai point. Ouais, bah après, tu sais, c'est au début de la planète. Je meurs. Oh, mais tant qu'à l'avoir tout de suite. Attends, ah, 60 HP dans la gueule. Allez. Téléporteur derrière la porte. J'espère pouvoir utiliser de manière normale le téléporteur derrière la porte. Ah, le musée insomniaque. Ah. Oui. Parce que bah comme dans le 2, t'as deux manières d'y aller. T'as la manière du 100% entre guillemets et t'as... Parce que dans le 2, c'était avec les points de compte. Mais là, c'est avec les trophées, faut tous les avoir. Ok. Et sinon, t'as le TP qui est caché à Metropolis, qui est ouvert que à 3h du matin. Ah. 3h du mat, une date précise, bien sûr. Ouais, heure de la console, évidemment. Bien sûr. Ah oui, heure de la console, hein, parce que bon, hein, voilà. Bah, évidemment, c'est compliqué. Insomniac ne voulait pas que les enfants veillent jusque 3h du mat. Ils y ont pensé. Ne vous en faites pas. Ah bah oui. De toute façon, ils n'avaient pas trop le choix de faire comme ça. Complice de Path of Death en 42 Orless. Bah, c'est bon, c'est gagné. C'est gagné, c'est fort. Ah, vivement que j'ai le canardator amélioré. Parce que je me souviens. Impossible! Du coup, il est temps de lui mettre l'aspirocanon dans la face. Ouais, bah, tu peux juste garder le dernier coup et ça donnera l'XP tout d'un coup. Ah! Ah, bah oui! Aucune justice. Alors, est-ce qu'il a mal avec l'ouragan? En vrai, il prend cher sur à peu près tout. Bah ouais, mais ma clé... Voilà, ma clé le défonce. Pourquoi utiliser des armes
Ouais, je pense que c'est ta clé d'arme. Alors que ma clé fait littéralement des miracles. Bah, c'est pour ça que faire le jeu à la clé, c'est pas si pire. C'est pas comme la clé du 2 où c'est vraiment de la merde. Ah bah, en fait, la clé, elle devient de plus en plus forte parce qu'elle est liée à tes HP. Ouais, c'est ça. Dans le 3. Dans le 2, je sais plus. Bah non, si tu trouves les upgrades dans le jeu. Bon, le gant à mini, donne-moi ça. Allez, vous allez mourir. Ah, le fissurateur. Oh, l'arme ultra satisfaisante, je trouve. Oh, il va me fissurer. Ah non. Je vais me faire fissurer, Néné. Mais tu peux aspirer les petits osios avec l'aspirocanon en plus des caisses. Et une chance que j'ai. L'aspirocanon, il fait des bons dégâts. Une chance que je l'ai déjà bested, hein. Lol. Ouais. Ouais, ça devrait être suffisant là. Et c'était qu'au fouet, je pense, le bested. Oui, tu le tues en un coup large. Enfin, ça fait pas jeter ta mère. Il est pas mûr! Tu mens! Oh, j'oublie vite. C'est bon. Allez hop là! Et pouf! Ah bah moi la barre elle a pas débordé. Mais il faut faire triangle et c'est quand t'es dans le menu, quand tu vas revenir sur le phénix. Tu vois à la sélection de l'arme, tu vas voir que ça va dépasser. Et je pense même dans le menu arme, ça doit faire pareil. Ah ouais? Ouais. Genre tu fais triangle instant et tu vas sur l'aspire au canon. Ok, on va regarder. On va regarder. Rip la console qui n'a jamais eu le bonheur. Ouais, mais tu pouvais changer l'heure de ta console, étoile. Ah bah ouais, on jouait pas trop à 3. Enfin, moi je jouais pas à 3h du matin quand j'avais. Bon, 5-6 ans. Faut aller sur le. C'est quand même drôle. Moi je pense que. Si tu fais pause et que tu vas dans arme, ça fait la même chose, je pense. Ça me fait beaucoup rire. Ça me fait beaucoup rire. Attends, non mais c'est quoi là? Non, là je l'ai pas. Ah, suivant, 3390 sur 600. Attention. Ça de la marge. Ah mais vous le voyez pas à cause de ma tête, mais... Du coup j'ai... Oh, j'ai le V2, V3, V4. V4, incroyable. Et le V5, hein, j'ai le Vortex Canon. Le canon Vortex qui n'a pas de version méga, parce que j'ai eu un R1. Ah oui. C'était quoique. Bah, je sais plus. Je suis à R1. Ça n'a aucun sens du coup. Suivant. Je ne sais plus. Plein. Je suis plein. Tu l'as tellement modifié l'heure, je n'ai jamais rectifié après avoir arrêté. Oh. Complexe. Bah, c'est pas comme si ça servait souvent l'heure en sur une PS2 de toute façon. Ouais. Bah oui. Bon, bah du coup, l'aspirocanon, on peut s'en débarrasser. Hein. C'est terminado. On va prendre le pistolet par contre. Je ne sais plus ce qu'il faut faire, il faut aller dans notre quartier, dans notre chambre, je pense. Faut ramener Quark chez lui. Enfin, dans sa cage. Et ensuite aller voir Sacha du Bourg-Palette, le crush de Ratchet. Oui, dans ce jeu-là, qui changera très rapidement dans le jeu suivant, bien sûr. Bah, à chaque jeu, de toute façon. Hein. Ouais, bah déjà, il y avait la Lombax dans le 2, là, qu'on n'a jamais revu. Jamais revu de notre ville, Angela Anaconda. Je sais pas s'il y avait déjà eu une espèce de romance entre eux, en vrai. Ouais, je suis pas sûr, c'est vrai. C'est plus de l'amitié, il s'est fait friendzone, je pense. Oui, il l'a friendzone, je sais. Ah, je ne sais pas trop. Mais par contre, Rivette, bon, voilà, quoi. Ah, bah, après, il l'a pas vu beaucoup, hein. Sans passer le jeu à s'esquiver. Bon, du coup, il faut que j'aille à la capitale, maintenant. Mais le vendeur... Ah, le vendeur d'armes, il est là. On va aller voir les armes. Voir si je peux pas acheter quelque chose avec mes 3 millions de pognon. En fait, c'est vrai, t'as raison, Adé, c'est la saison du plaisir aujourd'hui. Là, je me prends pas la tête. Ouais, c'est ça. Je peux juste prendre des armes et booster ce que je booste en voyant... Et c'est XP vite. Voilà. Sauf le lance-bouclier. Par contre, ça reste toujours de la berthe. Ah bah ça, faut pas tout avoir. Bah effectivement, il a une version méga, mais du coup, comment ça se fait que j'ai eu un R1 pour l'avoir? Je sais pas. C'est n'importe quoi. Ou bien le R1 a bugué tantôt? MDR? Je ne sais pas, monsieur. Ouais. Ah, il va falloir demander des manuels unlock, je vous le dis. Bah, s'il y en a un. Pas le choix. Faudra voir.
Non, mais nous ferons le point sur les rats par après. Oui. Comme ça, je m'énerverais d'avoir loupé des Miss Hubble, bien sûr. De toute Bien façon, évidemment. si je veux refaire le jeu depuis le début, c'est pas grave, j'ai juste à rebattre Nefertios. Bah ça va, ça va être assez rapide. Ça avait l'air assez rapide. Bah après t'es sur le même. Ah oui, non, t'avais deux slots, oui. Ouais. Il est vrai. Il est vrai, monsieur. Il y a une petite fissure là. Oh, une petite fissure là. Petite fissure sur le vaisseau, là, pour spawn kill les ennemis. Par contre les missions de Marcadia c'est toujours aussi long. Et le truc, du coup, le compteur va nativement jusque moins, jusque x20. Mais avec une arnaque, tu fais x40, c'est ça? Si j'ai Bah bien une compris. fois que t'es en x20 et que t'as la caisse à x2, bah ça va te faire x40. Okay. Ah, du coup, là, il faudrait que je laisse cette... Il y en a une autre à la fin du. Ok, tout va bien. Mais bon, cette caisse-là, elle survit pas longtemps à chaque fois. Ah, 100 nanotech. Il était temps. Envie de canner, ah voilà, envie de canner alors, mais ça va. Selon Adenos, notre expert du jeu, eh bien, il n'y a pas à s'en faire. Eh oui, c'est moi. Ah, c'est la petite voix qui m'accompagne. Et non, ce n'est pas Zet. Salut Jim! Un petit follow sur Retro Achievement. Ah, c'est très gentil pour Ah. les follow Retro Achievement, j'avais oublié que Ah, ça d'ailleurs, existait. attendez. Ah, je suis revenu en x2. Ma vie est difficile. Une attaque fulgurante. Ah bah alors, une attaque Oh, bon alors, fulgurante, les quoi. tourelles, le grand ravageur, puis. Grand ravageur qui est quand même moins chic dans le 2, hein, faut le préciser. Le gant Beaucoup moins ravagé. chic d'ailleurs. Ah par contre oui c'est ça, en fait j'ai confondu le délire, c'est que quand t'as le bouclier sur toi, et que tu prends un coup, tu perds quand même le multiplicateur. Il n'y avait pas la même dans le 2. Je pense aussi. Bon, de toute façon, là, mon multiplicateur, on a dépassé l'intro, le prologue, donc c'est le moment où je vais toujours le perdre. Je vous le dis tout de suite. Bah, surtout que là, je suis en train d'XP des armes, donc forcément, je fais pas gaffe. Quand Voilà. t'auras le telt, t'inquiète, sera facile. Ah. Ouais, bah, de toute façon, j'ai tout mon temps pour. Ouais, on l'a bien Oui. vu là, la caméra, que j'ai envoyé un crachat, mais divin. Bah même si des caisses fois deux, il n'y en a pas beaucoup. Ah, j'ai postillonné, mais d'une force. Vous n'avez pas idée. Alors même avec la carte, je vois pas trop où est-ce que je peux aller. C'est là. Non mais attends, j'ai pas vu ce secret moi à l'époque, je suis vraiment une brêle. T'avais pas vu cette boulonnade? Bah, je suis sûr que si. Mais je pense que le cartomatique il serait Z quand t'es en New Game Plus. Ça expliquerait des choses. Oui, on l'avait eu, mais oui, on l'avait eu. Me souviens t'avoir fait deviner son emplacement. Oui, j'ai dû chercher. Ça veut dire, allez au début du niveau, Bah, vas-y. et on la voit, et puis tu t'es retourné, puis tu l'as vu. Tiens, allez. Ah, du coup, t'auras difficilement le choix avant d'ici la caisse. Tout ce dont vous parlez, je n'en ai aucun souvenir. Ah bah surtout si je fais des trucs comme ça. Allez hop! Non, l'XP de l'arme est plus importante que d'être immortel. Bien sûr. Bah, les tourelles, faut tirer par contre, hein. Faut arrêter d'avoir la flemme. Ah, moi, le gant en tourelle, ça va me faire plaisir de le monter. Une chance que le gant en Oh là, tourelle je est une crois. arme! Ah voilà! On prend la relève, sergent. Et voilà. Bah non, j'ai eu un R1. Oh tiens, putain, l'autre truc de l'infectateur, il a pas marché, j'en suis sûr. C'était l'infectateur que du coup en V5. Oh. Ou bien il est pas en V5. Ou alors il est pas V5 ton Non, infectateur. V5, infectobombe. Ah non, bah il est bon. Pas Il est j'ai pas... dire Ou ça. bien je l'ai eu, mais je l'ai pas vu, peut-être, ça se peut aussi. Ah, il va encore falloir se battre avec le site. Hein. Aïe, aïe, aïe. Bah, y a, la plupart des armes c'est du Oméga, donc Bah, j'en sais rien, moi. Attends, j'ai pas eu de rat, mais ça. Ah, ou bien c'est parce que c'est les armes de Ratchet 1 qui se sont dit. Tiens, on va Tout faire. pour.
Mega Turret Glove. Redonne la pub, Jim. Je sais que ça fait un moment, mais. Dans l'infectateur, ça doit être plus tôt. The Infecto Bomb. Bah oui, je l'ai. Bon, battez-vous hein, pendant ce temps-là. Moi, je vais tout casser ici. J'aurais peut-être dû attendre d'avoir un multiplicateur intéressant. Ouais, si je l'ai. Bah, je sais pas. Peut-être que tu l'as eu, t'as pas fait gaffe. Oui, ça se peut aussi que je l'ai eu, que j'ai pas fait gaffe. Ça, on verra lorsque le compteur DRA ne sera évidemment pas le bon, comme d'habitude. Allez-y, allez-y, débarrassez-moi de toutes ces merdes. Débarrassez-moi le plancher. Débarrassez-moi le plancher. Et attaque le ménage. Et n'oublie pas les coins. Sacré Samos. Sacré Samos, le sage. Je ne suis que le maître de l'écho verte. C'est l'un des hommes les plus sages de cette planète. Je sais pas où, à qui s'attaque le tyrannoïde, mais il est mort du vide. Ah. Non mais attends, y a pas moyen de changer la distance de d'envoi de ces merdes. Lesquelles, l'étoile? Oui. Bah, ah putain, j'ai foncé dans le laser en vérifiant. Allez, déjà la V4, let's go. Tant pis pour le... Oh non, le truc, la munition a été gaspillée, j'ai tout vu sur le replay. Elle est tombée dans l'eau, et hop, elle a explosé, et voilà. Ouais, t'es obligé de faire avec L2 pour en mettre plus proche de toi. Ah oui, d'accord, oh, quelle vie. On s'emmerde. Ouais, c'est peut-être à cause du mode latéral. Ouais. Moi je pense que le mode latéral y est pour quelque chose effectivement. Et voilà la V5 qui donne effectivement un rétro achievement. Bon bah voilà, au moins en une manche de machin chouette on a... Et vraiment ça a été une manche, on a monté le V5, c'est n'importe quoi. Ouais bah c'est... C'est pour ça que c'est le jeu commence vraiment quand tu fais un New Game Plus. Ouais, ton Ratchet. Il est temps. Salut docteur. Ah, ça fait plaisir de revoir les anciens. Ah, bah ça. Les vieilles têtes. Ouais, là, je suis en train de me dire... Ah, le lance holo bouclier. Ouais, c'est vraiment de la merde hein, à améliorer. Ouais, mais là, au moins, je pourrais m'en débarrasser, quoi, si je le fais maintenant. Oui. Donc, je vais prendre... mais ça va être très, très long. Ah, et j'hésite à prendre En cumulé, c'est genre une heure à tanker des munitions. Moi, j'hésite à prendre le Canardator. Il est un peu cher. Mais il est cool. Le chargeur bouclier, ça, il est incroyable. Ouais. La bobine Alphasma, moi, je l'avais quand j'étais petit, j'adorais cette arme. Mais ça, c'est toutes des armes de endgame, en fait. C'est l'arme qui tue le plus rapidement les ennemis, à part le tilt à l'écran. En tout cas. On va prendre les trucs dans l'ordre. Tu sais quoi, AD, on va pas vouloir jouer trop, là. Ah, moi, j'ai regardé au prix. J'étais une pince. Ah, je suis mort. Pas bien joué. Ah, ça remet au début de mourir. Mourir, c'est pas facile. Putain, tout ça parce que... Oh, ça reset les puzzles. Non, mais je vais les acheter deux par deux. Et lasser vos chaussures. Et lasser mes chaussures, bien évidemment. Hein, voilà. Je le savais. Alors, qu'est-ce que c'est? Il faut aller dedans? Non, c'est quand les ennemis tirent, ça bloque. Mais du coup, contre les tyrannoïdes, ça marche pas très bien. Ah ouais, d'accord, il faut des trucs... Bah, utilisons le crasher. Ouais, c'est... Ah oui, quand même. Et paf. Qu'il se passe? Ah, tout a monté d'un coup, le truc en a eu marre, le jeu a pété les plombs. Ouais. Non, comme quoi c'est pas si grave en soi de pas avoir eu d'arme. Bah non, c'est pas si. En fait, c'est comme si le jeu s'était fait exprès, tu vois. On en a chié en tout premier playthrough et là, enfin, c'est la récompense, tu vois. C'est. Voilà. Ah, le grand coboulon a été gardé par contre. Mais pas les lasers, hein. Faut aller se faire foutre. Ouais, les lasers, c'est trop. Mais par contre, on a plus les magnétobots. Ah non. Se faire chier on a oublié. Pour la boulonnade. On a oublié les bots. Ouais, parce qu'il y a des boulonnades avec les magnétobots.
Ah oh, ouais, mais c'est n'importe quoi cette arme, c'est du délire. Et hop là, le Tempest, hein, évidemment, connu pour n'avoir fait que des jeux qui puent. Lol, bon, voilà. Oh, magnifique particule, regardez, je peux la toucher. Elle est un peu, dans, elle est un peu brûlante. Améliorée. Ah bah c'est déjà fini, parce que le reste... Ah non, l'étoile c'est déjà fait. Bah tout ce qu'il me reste, c'est cette merde. Parce que j'en ai acheté plus... Vous n'y arriverez jamais. Vous n'y arriverez jamais ou quoi? C'est un petit peu une déception. Ah, les agents ravageurs. Ah, eux, ils étaient cool. Allez, oui, ils sont vraiment bien. Allez, achetons les agents ravageurs. Bon, essayons de jouer un peu sérieusement pour une fois. Ce sera pas facile, spoiler. Alors, je vais évidemment remplacer... cette merde. Voilà. Ah, mais attends, les agents ravageurs sont déjà montés, mais what? Comment ça se fait? Mais... Ouais. Ils ont déjà 256 points d'expérience en démarrant. Ils sont parce très que forts. Ça prend peut-être les ennemis qui ont été tués à la fin de la manche, un truc du genre. Et vu que tu l'as acheté entre deux manches... Allez-y, les agents ravageurs. Ça tue les ennemis qui restaient à l'écran. C'est peut-être une histoire. Comme allez-y, ça. Les agents ravageurs. Ravagez tout. D'accord. Allez-y, les agents ravageurs. Ah, c'est bon. Enfin. Enfin, un peu plus de normalité, on va dire. Ouais. On va pouvoir ne pas faire des vidéos fun. Enfin, même si ça donne de l'argent, même. En fait, c'est bizarre. J'ai l'impression que les ennemis, que ça marche beaucoup. Que l'XP va beaucoup plus vite contre les gros, les hordes de petits ennemis que contre les gros. Ah ouais, moi j'aurais dit l'inverse. Que les tyrannoïdes, ils donnent rien du tout. Ah bah moi j'ai passé V3 direct là, et là je suis bloqué V3 depuis que j'ai tué tous les petits. Bah en tout cas les tyrannoïdes dans la mission de aller voir Al, ils donnaient rien. Ils sont ravagés. Ravagés du ciboulot. Faut pas esquiver là. Il y a vraiment des petits fifous. C'est des petits fifous. D'accord, j'aime bien ne pas avoir les munitions dont je veux. Hein. C'est vraiment un truc que j'adore dans ce jeu. Allez hop. Il t'en restait une de munitions. Bah oui, mais alors. Bah, regarde. Ça se recharge automatiquement à la mission d'après. D'ailleurs. Je ne veux pas mourir. Ah non, regarde ça, il est quasiment V4. Ah, la mission est ratée. Ah non, on peut mourir. Ah, il faut pas qu'il meure, les cons. Oui, c'était le but de la mission. Ah, c'était le but de la mission. À l'accueil. Et oui, il y a un but aux missions. Il y a un but aux missions. C'est pas juste Pampam Boom, c'est pas Call of Duty. Et non. Regarde, c'est n'importe quoi, alors. Regarde le machin, là. Enfin, tu le vois bien, alors. Regarde la barre. Regarde la barre, le truc, il est passé V4 comme ça. Ah, il vole maintenant. Ah bah ça y est, ça va. Favorite. Ça va peut-être devenir mieux que de la merde. Ah, mais ils ne volent pas tous. D'accord, en fait, ça dépend. Ça dépend de ce qu'ils volent, finalement. C'est eux qui choisissent. Tu lances beaucoup. C'est le seul que je peux retirer, je crois. C'est un peu mal barré, hein. Prends-en de la graine. Ah, le premier, tu... Enfin, il te lance quand même dans le jeu, du coup, à cause de la cutscene. Ouais. Mais j'ai pas envie de faire le vidéo fun, donc... non, tu veux pas faire le vidéo fun, tu veux pas avoir du fun en vidéo. Ouais, je m'en passerai. Ah ouais, quand même, les agents... Oh... Qu'est-ce que c'est que ça? Enter the Dread Zone. Qu'est-ce qui se passe? C'était quoi, ces trucs? Attends. Mais c'est quoi ça? Les trucs, ils ont fait des explosions de nucléaires, quoi. C'est pas la montée de niveau de l'arme qui fait que... Ah là, non. Hein. Les vidéos pas fun, ouais, salutations, Isra. Vous avez vu ça? J'ai refait un planning de stream. Vous êtes abasourdi, n'est-ce pas? C'est quand même incroyable. Mais non, mais regarde ça, c'est pas... ça, c'est pas...
Si tu verras mon stream, ce n'était pas... Ouais, ça a bien explosé, bah, je sais pas. Mais ils sont bien. T'as pas regardé... Ah non, j'ai pas acheté d'armes. Oh, mais de toute façon, c'est la fourrelle. Tout le monde s'emmerde. C'est vrai. Vous remarquerez que je suis un viseur exceptionnel, hein, une fois de plus. C'est quand vous voulez, d'ailleurs. Ah, mais ils sont là. Le labo disque. Oh non, je me suis pris le feu. Mon foie. Ça leur apprendra, sergent. Oui, ça se défend tout seul, de toute façon, c'est pas non plus des. Hein, oh oui. Des mines de con. Bah, t'es du los. Voilà. Bah, ils se défendent. Y'a que dans le combat contre Tefaru qui servent à quelque chose. C'est vrai que... Ils se mettent d'un coup, tu comprends pas, ils one-shot les ennemis. C'est vrai que dans le combat qu'on est versus, ils sont legit plus puissants que toi-même en fait, ça n'a aucun sens. Ouais, c'est ça, c'est. C'est cool, c'est j'imagine. Tu as deux coups. Ouais, j'imagine que c'est cool, Wizra. Moi, je n'en sais rien. Moi, je trouve pas ça très cool. Ouais, je pense que vous devriez arrêter. Ouais, d'ailleurs, allez, c'est la fin du stream. J'arrête tout de suite. J'arrête tout. Attends, j'ai déjà plus de la mode disque, mais c'est vraiment de la merde. La mode disque. On va monter l'infecteur, là. Il va avoir des ennemis de merde. Ouais, tu me diras si t'as eu l'air. Hein. Lol. Ouais. Oh, mais il donne pas d'XP. Et ils foncent contre les murs, c'est débile, ils veulent aller tuer les ennemis à l'autre bout du monde. C'est encore long, c'est long hein, cette merde. Ah bah voilà, il suffisait de s'en plaindre. Hein. C'est selon le nombre de gros vaisseaux que tu tues. Quand okay. Tu es assez. Ah, bah dis donc. J'ai le sniper, j'ai l'annihilateur. Ah, il est là le lameau disque. Le double en jeu de sauce dans le micro-ondes, c'est parce que c'est un robot. Voilà. Et oui. Et les robots, ils parlent tous dans un micro-ondes, vous ne le saviez pas. Ah, le rebondisseur. Là, on va commencer. Et des charges des doubleurs. Là, on va commencer à avoir des armes. On va faire le canardator. Déjà. Après, moi, je pense que je vais m'occuper des mégas un peu. Ouais. Quoi ou bien, j'attends d'avoir toutes les armes de base. Là, j'achète toutes les armes de base, moi, pour. Ouais. De toute façon, pour le musée, il faudra toutes les mettre en V8, donc. Ouais. Bon, ça, j'achète. Ah bah, j'ai plus d'argent. Bon, bah, au moins, hein, voilà. Mais avec no sense, bah, écoute. Sur destruction, hein, tu gagnes pas d'XP. Alors. Sélection rapide. Nous allons, évidemment, équiper le canardator, le lance-roquette, et c'est tout. Je les prends deux par deux. Ah oui, ah je me souviens. Oh non, pas ça. C'est pas ce que je pense. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est quoi les règles? Oh, faut pas qu'ils meurent les deux qui réparent la tourelle. Faut tuer les ennemis quand même, j'imagine. Ah, c'est la limite de temps. Ils vont taper ceux au milieu et tu vas pas être content. C'est la limite de temps, d'accord. Là où vous savez. Voilà. Oui. Faut que je comprenne ce qu'il faut qu'on fasse. Toi et les deux rangers survivent 2 minutes. Changement de règles, ah bah là. J'en fais pas les changements de règles, j'en ai vu assez les changements de règles dans ma vie. Maintenant. Bah c'est une règle par mission. Maintenant j'ai l'habitude. Allez, le rebondisseur. Et hop, l'annihilateur. J'imagine trop le technicien qui va installer la fibre et il faut le protéger comme as. Oh, y'a plus de balles! Pour qu'ils aient la fibre pour regarder Secret Agent Clank. Oh, y'a plus de balles! Y'a plus de balles! C'est bon, c'est gagné. Bon, bah attends, on va aller un peu sur le terrain et utiliser notre canardateur. Ah merde, j'ai fait un salto. Et nous allons mourir comme un caca parce que le truc a pas de portée. Ouais, mais il est instantané quasi, donc ça va. Oui, et il est beaucoup mieux que dans le 2. Hein. Dans le 2, parfois... Ah oui.
Ça prenait bien son temps, on va dire. Ouais, même dans le 1. Hein. Je sais que vous aimez ce bruit. Ouais. Mais c'est surtout en version Omega que le canard d'Ator il est cool. Ouais, j'imagine bien. C'est pas grave de mourir, hein. De toute façon, je suis en train d'XP les armes, donc on s'en fout de crever, hein, vraiment. Deux pour le prix d'un. Je crois que celui-là, faut le faire à la clé. Mais pas sans mon armure. Jamais sans mon armure. Oh bah j'y arriverai pas sans mon armure. C'est ok de mourir. C'est vraiment... mourir, c'est pas grave. Voilà. C'est une leçon de vie qui devrait être appliquée, je pense. Mourir, c'est pas grave. Ouais. Ouais. Ça arrive de temps en temps. Ouais. Et hop là. Allez, il est ravagé. Et pouf! J'ai quand même à dire que c'est la minute la plus longue de ma vie, hein, vraiment. Ah ça y est, maintenant c'est le OS. Presque. Pas grave de mourir, mais voilà, voyez, toi elle est d'accord avec nous. Plus long que Lemon Challenge. Alors Lemon Challenge, en fait, le truc c'est que... C'est les temps où je laisse le téléphone de côté qui passent extrêmement vite. Genre j'ai pas regardé les messages. Ah bah ça fait une heure qui est passée. D'ailleurs j'ai pas fait mon challenge aujourd'hui. Oups. Après je pense qu'il y avait un RA de finir le jeu en moins de 50 morts. Je sais pas si tu l'avais fait finalement. Ah non je ne l'avais pas fait. Ouais ça se fait sur une boucle n'importe oui, laquelle. La boucle du telt ça... on sent vraiment. Ouais même celle-là. Parce que là je meurs beaucoup au début mais effectivement une fois que j'aurai monté les trucs... Oh non ils sont morts les techniciens. Ah mais au moins mon canard d'Ator a monté. Et ça c'est le plus important tu vois. Ah je vous avais prévenu. La fibre putain. Ah vous devrez faire avec la vieille ADSL. Non mais on va un petit peu accélérer les choses parce que sinon on ne va jamais... sans tirer. Tiens à le dire, hein, voilà. La caméra, par contre, on peut arrêter d'être merdique. C'est pas prévu, visiblement. Ah. Mais, bah, accroche-toi. C'est pour ça que c'est long, l'installation de la fibre. 2 minutes, bah, 2 minutes. On vous dit 2 minutes. Ça paraît court. Et finalement, ça arrive jamais. Bah, voilà pourquoi. On vous dit 2 ans. Bah, 2 ans, ça paraît court. Et ça arrive, et 10 ans plus tard, bah vous voilà quoi. Mais il suffit que ton technicien meure entre temps, bah forcément ça. Bah oui, si le technicien est mort, hein, qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? Écoutez. Si vous le protégiez. Si vous protégiez vos techniciens, hein, on n'en serait pas là. Oh, j'ai vraiment hâte de voir la version de l'arme où les canards explosent. C'est encore mieux. Oh, mais attends, j'ai une idée. Je vais mettre des boucliers autour des agents de la fibre. Ainsi. Ouais, parce qu'il reste un infini, ça, pour le coup. Ainsi. Les neveux ne vont pas se faire tuer. Après, ils cassent vite, hein. Vous avez vu ça? Et tu verras la montée d'XP négative. Quoi? Ils avaient des boucliers! Ils sont morts vachement vite. Bah oui. C'est n'importe quoi, je venais de les poser par terre. Je venais de les poser. C'est n'importe quoi. On est d'accord. Mais même les rangers, ils ont rien tanké. Bah non, ils ont rien tanké du tout. Putain, c'est quoi cette merde? Ouais, avec les lasers. Les autres, en soi, ça va quand ils tapent. Mais eux... Ah bah... Ah, j'ai cancel mon dash. Non mais c'est pas grave. Ça me fait monter le canard d'Ator. En fait pas. Bah oui. Monte-moi le canard d'Ator, bien tout va donner une phrase. Ça n'est pas correctement assuré, mais je. Mais... Quand j'avais trouvé une sympa, c'est genre. Est-ce que tu veux être mon email de récupération?
Vous ne me mettez pas dans ma boîte à spam, s'il vous plaît. Oh, non. Non, pas la boîte à spam. Ah, on s'en dit au boulot. Regardez vos pourriels, hein, n'hésitez pas. J'aime bien quand les entreprises aussi disent ah, n'oubliez pas de regarder notre boîte à spam, hein, notre courriel pourrait s'être glissé. Effectivement, hein, si vous paraissiez plus sûr, ce ne serait peut-être pas le cas, hein, bravo. Ah ouais, quand c'est pour tes remises d'impôts, c'est un peu triste. Ah ouais, c'est un peu dommage, ça. Revenu France ou quoi? Je sais pas comment t'appelles ça en France, là. Je sais pas, j'en paye pas. Ah bah, pas pour Yel, allez hop. Des courriers indésirables, allez, direct. C'est... Bah, en vrai, c'est... Je les ai pas vus. En vrai, c'est indésirable, hein, mais... Bah, j'ai pas encore eu un maladroitement, en avoir, voilà. Donc, je ne peux pas foutre. Mais dans mon cœur, vous inquiétez pas que ça en son. Il pourrait s'être glissé par inadvertance dans votre boîte. Ah, ou volontairement, on aurait dit. Il pourrait s'être glissé extrêmement volontairement. Voilà, nous l'avons fait exprès et vous ne l'avez pas vu, eh bien c'est votre problème, hein, voilà. Ce n'est pas le nôtre. Ah, le terrain miné. C'est quand même dommage car vous aviez 10 jours et maintenant c'est trop tard. Voilà. Oh, ça va, en général, ils sont gentils, ils te laissent genre 3 mois. Vous allez devoir payer des intérêts. Bon, on rentre, c'est bon, c'est bientôt fini la merde ou la fibre là. Oh, merci, enfin. S'il meurt là, c'est mission ratée. Hein. T'imagines le truc, il met mission réussie et juste après. Ah non, mais c'est raté en fait. On vous l'a pas dit. Mais c'est raté. Bah oui, tout le monde regarde sa boîte à spam tous les jours. Moi-même. Tous les jours, je suis occupé de la consulter. Ah, le liquide nitrogel. Rétrogène gun. Faudrait que je fasse le lamo disque, parce que vraiment... Ah, c'est vrai que j'ai jamais monté ce truc-là. Attends. Mais... Non, je n'ai pas fini. Ah, attends, il y a plein d'armes que j'ai pas terminées, là. Ça m'angoisse. Bon, mettons ça à la place, peu importe. Oui. Nous referons notre roue plus tard. Alors, occupons-nous du canard d'atteur. Qu'est-ce qu'il faut faire ici? Il y a un point vert. Ah, c'est le moment. C'est la mission préférée de moi. C'est vraiment un préf. Je pense que je l'avais déjà faite à la clé. Ah oui, il fallait pas tuer les ennemis, je pense. Je l'avais fait. Oui, t'avais le droit de ni taper, ni tirer, je pense. Et les rangers, c'est pas eux qui vont t'aider. Les tourelles ne peuvent tirer que sur les avions. Vous allez devoir vous occuper des troupes au sol vous-même. Pouf. Zone de la guerre. La guerre. Le lama disque est censé rebondir quand même quand tu tires. C'est vraiment... lama disque. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe des trucs là, il se passe des dingues. Ça. Ah bah faut attendre la V3 pour que les projectiles rebondissent. Mais accroche-toi là, ça suffit. Non, protégez-moi, protégez-moi. Oh, j'ai glitché, mais c'est pas grave, c'est réussi. Ouais, ils sont un peu cons les tirs. Oui. Oh oui, ils ont été très débiles. Ah. Très belle voix venue du fond du chiotte, bien sûr. Ah ouais, j'avais pas reconnu. Ouais. Merci de préciser. À défaut d'être un micro-ondes, ça devient Rambo. Non, mais ce jeu, c'est Ratchet 3, c'est Commando, hein. C'est. Ah bah non, c'était le de Going Commando. Ah, excusez-moi. Ah, là, c'était Going. Bah là, il l'est. Là, il l'est. Il n'y a plus de Going, là. Hein. Ah, j'ai. Mais moi le. D'accord, j'ai pas vu. Hélico. Plus qu'une tourelle, sergent, vite. Je me suis coupé le plafond. Ah voilà. Ah, ça te laisse le temps de me rattraper là, ça fait 15 minutes que je suis en une mission de merde. Mais qu'est-ce qui se passe? J'arrive pas de tomber dans le vide en boucle à la fin du parcours. Le parcours miné. Pas bon en plateformeur. Parce qu'il veut jamais s'accrocher à la plateforme vu que c'est une plateforme qui bouge. Ah ouais, mais j'ai encore le temps, il faut aller chez Al. Mais vous aussi vous avez eu vos problèmes avec la tourelle à défendre. Bon. C'est vrai, on a eu chacun nos problèmes finalement. Bon.
Alors, les puzzles. Les puzzles de Layton. La sélection rapide inclut bien évidemment les gadgets. Mettons votre troisième personne pour le faire parce que visiblement ça fait chier. Vous êtes pas bon en jeu de plateforme, Dédé ? Pas avec le déplacement latéral quand il fait des saltos tout seul. Des fois c'est chiant. Certains plus que d'autres. Ah bah écoutez, AD ne partage pas son gameplay. Donc nous ne savons pas à quel point il en chie en ce moment. Ah bah ça. Mais je bah peux vous dire qu'en faut ce vous moment, épargner ça. Il est en train de chier, mais. Ah bah j'ai détruit le trône. J'en peux plus. Papa. j'en peux plus. Oh non. Bon, il va jamais passer V5. Faire des doubles sauts, c'est pour ça. Il va jamais passer V5, hein, c'est officiel. Non, en fait, le canard. Les armes, elles sont, je suis en train de me rendre compte parce que là, je rappelle que dans la deuxième loop, les ennemis sont censés être plus puissants. Mais j'ai l'impression que les armes elles sont complètement pétées là en fait. Parce que tout liquide les ennemis quoi. Ouais bah après au début du jeu ils sont quand même moins forts qu'à la fin de la première loop je pense. Hein. Ah. Ah parce que là je me pose des. En termes de dégâts que toi tu prends, mais en termes là, de. Là je me pose des grosses questions quoi, tu vois. Parce que les dégâts que tu prends, non. C'est encore plus vénère que chez Nefarious. Ouais, et pourtant j'ai la meilleure armure, hein, donc je n'ose imaginer toi. Ah, je prends 60 de dégâts à chaque fois. Hein. Voilà, c'est devenu Dark Souls finalement le jeu. Bah, suffit de pas se faire toucher et puis tu prends pas cher. Bah. Comme ça, tu gardes ton x20 en plus. Facile, et... joue mieux quoi. Guite goutte. Comme l'a dit un grand homme, joue mieux. Courir ne fait pas seulement exploser, bien sûr, comme disait un. Ah, ça, je ne sais pas. On fait de la musique. Ah, ça faisait longtemps que j'avais pas fait toutes ces épreuves d'opération destruction. Mais pourquoi vous les faites? Bah, pour vous attendre et pour l'argent. Et de toute façon, faudra les faire pour le 100%. Et puis ça donne 2 millions le défi de fin, donc c'est quand même cool. 2 millions? Ouais. Bon, c'est long, encore plus que dans le 2. Attends, elle suit le laser, c'est ça qui se passe? Ouais. Oui, mais il faut être assez proche. Ouais, normalement, t'as le tuto qui te le dit. Mais du coup, je le dis plus. Saccage robot. La réponse à toutes ces questions, courir ne fait pas seulement exploser. Courir ne fait pas. Oh là là, tout ce pognon, regardez ça! J'ai l'impression d'être revenu à la banque, quoi, ça m'est extraordinaire. Putain, mais... L'infecteur, il veut plus gagner d'XP. Dans Opération Destruction, en tout cas. L'argent, ouais, voilà. Toujours l'argent. L'argent pas cher. Ah bah, effectivement. Hop là. Bon, le canardator, il passe bientôt au V5. LOL. Le fissurateur est tellement satisfaisant à utiliser, j'adore cette arme. Hmm. C'est parce que vous adorez vous faire fissurer. Ah bah c'est pas ce que j'ai dit. J'ai pas dit ça en fait, hein, voilà. Là vous inventez Vous inventez une vie, mais... Ah mais elle a l'air incroyable. Ma vie est incroyable. Ah, il faut appeler ça la passion, comme Siphano bien sûr. Vous avez vu, il a commencé un nouveau Zelda, le nouveau jeu Zelda, bien sûr, officiel. Le meilleur Zelda, d'ailleurs. C'est... Ah oui, c'est le meilleur Zelda, ça y est, c'est décidé. C'est devenu le meilleur Zelda. J'ai pas vu c'était quoi, mais j'ai pas envie de savoir. Hey, c'est Al. Alors, c'est réparé. Mon mauvais. Parce qu'il va te sortir Oceansart. Par pitié. Non, monsieur. Monsieur. C'est un roman historique, un graphisme interactif. Et comment tu veux te servir du bouclier de la... Ouais, c'est ça, c'est ta même plus envie de passer avec un site, alors elles sont... J'ai désactivé le serveur avec un adaptateur. Le serveur avec un adaptateur, mettre ça vers 626X et incroyable, le sous-processeur graphique. Ouais, c'est simple, non? Ouais, allez hop, hein. On va quand même les passer parce qu'il faut pas deck. Oh, les geeks de merde là, ça va.
Nico Sama, là. Ah. Ah. Retourne à ton vaisseau. Allez hop, retourne à ton vaisseau. Ah, j'ai ramassé plein de choses, visiblement, avant de partir. Faites bien les bruitages. Merci. Ça, il reste juste 10 minutes. Non, mais attends, la session va déjà être terminée. C'est n'importe quoi. C'est triste, hein. Le temps passe vite quand on joue aux jeux vidéo. Ah, mais là, je me suis... Mais j'étais en train de m'amuser, j'arrive pas à y croire, quoi. C'est... Je n'arrive pas à y croire, j'étais en train de m'amuser. C'est si rare, quoi. Mais oui, c'est donc ça, s'amuser. C'est quoi le contraire de nul à chier, là? Bien, oui, c'est ça, je m'amuse bien. Et oh, c'est déjà fini, putain, il reste 10 minutes. Alors, je vais ramasser mes points chez le stream que je suis. Voilà. Ah, le temps du loading, bien sûr. Il faut optimiser son temps. Ah, le canard tater V5. Bon, bah, on attend de faire le vidéo fun et de s'en aller, quoi. J'ai compris. Oh, ça s'appelle le bombardator. Ah oui, ils sont trop beaux, les canards. Donc, on est obligé de jouer aux jeux vidéo. Non. Ouais, c'est rare. Bah, en même temps, Wizra, vu les jeux auxquels je joue, avouez que c'est difficile. Si plaisir. Tu quittes le vidéo fun, tu pourras le skip. Quitter ? Ouais. Et ensuite, tu le relances. Et en le lançant, ça va te demander si tu veux le skip. C'est juste que bah, le premier, il te met. Et le cinquième, il te met direct dedans avec la cutscene. Skip this comic. Ah oui, c'en est même en anglais, tellement on n'a pas l'habitude. Allez hop. Et voilà, j'ai fait 2 minutes 38, hein. Félicitations. Eh oui. Le fouet coché. Allez, opération destruction, c'est parti. Alors, ça sonnerait... Ça pourrait sonner comme le nom d'un film très... voilà, mais... Ce n'est effectivement, pas du tout ce voulu. N'est pas ça, bien sûr. Je pense que j'avais déjà fait la vanne la première fois que je l'ai vu, mais c'est pas grave. Ah, c'est comme chaque nom de jeu de cette série. Ouais, Size Matter. Hein. Ah, bah, Opération. Un pur arsenal, bien sûr. Opération Destruction, c'est aussi le nom d'un jeu. Ouais. Bon, bah, c'est parti pour le parcours d'obstacles. Qui lag, visiblement. Il est temps de rattraper des dés. Ah, bah, là. Bah, niveau histoire, je me suis arrêté au. Comment il s'appelle ? Comment ça s'appelle ce gadget? Tiraguisement. Ah oui, ah t'es déjà là. Ah oui, t'as pas le temps. Vous êtes embêtant. Bah c'est le truc que t'as à la fin du parcours quoi. Vous êtes embêtant Dédé. Non, il a fait un saut de Teco. Ah bon, c'est déjà là le tira déguisement? Oui. C'est après qu'on commence à s'emmerder à Aquatos. J'en ai oublié de m'en servir. Passe V4, c'était hallucinant. C'est hallucinant. Mon infecteur, faudrait monter une divo là parce que tu m'emmerdes. Il va nous sauter dessus, ma parole. Pas d'XP. Ils mordent tous la poussière. Ah mais j'ai l'impression que l'XP effectivement ne monte pas. On s'est bien amusé pendant deux planètes armes, et finalement là c'est devenu de la merde. C'est devenu comme de c'est la des trucs qui sont rejouables à l'infini, c'est géré bizarrement. Bah pourtant l'émission de Tyrannoïde, elles étaient rejouables à l'infini. Ah mais c'est le vidéo fan numéro 2 direct. Oui. Le gars a fait le jeu il y a 4 mois, il l'a déjà oublié, hein, vous remarquerez. C'est dire à quel point son état est grave. Ah bah ça. Ah oui mais dans les arènes y a pas un truc en mode l'XP ça vaut que dalle justement. Ah oui mais je suis en pouvoir du chaos putain. Ah bah je sais pour. Ah par contre avec le fois V5 je suis pas sûr de le réussir. Défi. Dans le 2, il n'y avait pas ça. Que les armes ne valaient. Que ça valait rien, justement, d'upgrade son stuff. Bah, je sais dans pas. Dans les arènes. Bah, là, j'ai plusieurs armes qui sont montées de niveau, mais genre l'infecteur, par exemple, ne gagnait pas d'XP. Alors là, moi, c'est ça, le canardateur, il monte vite ici.
Mais tantôt il montait pas. Mais peut-être que l'XP elle est gérée différemment, parce que par exemple le carnet adapteur c'est au nombre d'ennemis que tu transformes et pas vraiment la valeur d'XP de l'ennemi. Ouais. Je sais pas exactement. Je ne sais pas monsieur. Bon, il va bientôt V5. Voilà. Voilà qui est fait. Ah. J'ai le bombardeur. Ah, le bombardateur, je pense. C'est son nom. Le bombardateur. Je vais laisser les s'entretuer parce que sinon je n'aurai pas assez de munitions. Bon, bah c'est parti pour l'annihilateur, hein, attention. Aïe. Qui a l'air de ne taper qui a l'air de taper à rien du tout hein, d'ailleurs ça a l'air de pas faire de dégâts l'annihilateur. Ouais, il est beaucoup moins bien dans ce jeu. C'est vraiment de la merdasse. Et évidemment je n'ai pas de munitions d'annihilateur hein, alors que c'est ce dont j'ai le plus besoin. Mais regardez, ces munitions ne servent absolument à rien du tout hein, c'est la vie. Du coup on va pouvoir utiliser le chaos. Pas le choix. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Chaos contrôle. Chaos contrôle. C'est bon. Ouais. C'est hallucinant. Hydrotrachu. Ah merde, j'ai cru que j'avais encore le pouvoir du chaos vu que c'était la même armure mongole. Ouais non. Et c'était une erreur. Ah bah il faut que je monte ce truc. J'avais oublié que je l'avais. Et hop là. Voilà, ça a monté de rien. Félicitations. Alors par contre, du coup, opération destruction, les défis des armes en V5, c'est compliqué. Ouais bah ça. Bon, ah par contre, ça donne que dalle en termes de pognon, ou c'est moi qui déconne là. Mais tu déconnes, mec. Tu déconnes, mec. Ah oui, quand même! Allez hop, rentre chez ta mère. Oh, c'est Crush! Oh, c'est Crush de Spyro 2! Ça, il y a un ira de le faire qu'à la clé, je crois, mais. On saura aller. Hein. On attendra les 200 HP. Et... Ouais, ouais. Je suis d'accord avec vous, inspecteur. Inspecteur Sherlock. Mais qu'est-ce qui se passe? Il pleut. Oh non, pas la pluie. Quoi, il y a une musique de Fort Boyard qui s'est lancée. Allez, décède. On va le présenter à mon ex-femme. Et ça n'a donné 0 points d'expérience approximativement. Je suis extrêmement heureux. Hop là, allez hop. Hein. J'ai le rebondisseur V2, bah félicitations. GG. Bon. C'est éclate, hein. Et les croustilles près à la pauvre mère, ah bah ça. À la butte près. Ratchet fingering himself, bien sûr. Le prochain, évidemment. Rift Apart avait un sens bizarre. Bah... Ouais. C'est genre une déchirure. Oh, mais c'est bon, mais là, il faut commencer à chercher loin, là, vos trucs. Hein. J'adore cette caméra qui me fait quand même aller en plein dans les pics, hein, bien sûr. Écoute-moi ça, alors, Max. Après, ça a l'air faisable à la clé là déjà. Évidemment, l'ennemi n'a pas daigné mourir. Je pense que tu pourrais déjà le faire toi à la clé. Il fait assez de dégâts à la Ratchet. Ouais. Et toi, tu tankes bien avec ton armure, non? Je devrais peut-être essayer. Il faut faire les deux, c'est ça? Ouais, le 2 pour le prix d'un. Ok, bah je vais essayer après ce... 12 manches! C'est long! On va se faire chier. Oh, seulement 12. Je me fais déjà chier, Dédé. Ah, désolé. Pas mon problème.
Ouais, salut Nirelia. Ratchet, Abbas. Ah, vous êtes VIP, Nirelia. Oh, j'avais oublié que vous étiez VIP ici. En même temps, ça fait tellement longtemps que vous n'êtes pas venu, ça me choque. C'est fou. En même temps, ça fait tellement longtemps que j'ai plus stream à des heures abordables. Ça me choque. Ah, oh, j'ai plus de balles. Ok, elle est morte et l'autre, ça devrait être tranquille. Ah, et bien en plus, mon niveau de nanotech est monté. Bon, bon d'accord, c'est de la merde. Tu te souviens de moi? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh waouh! C'est bon. Il est magnifique. The Terrible 2 Challenge. Deux grosses minutes. Yippie! C'est la même chose, mais en deux minutes. Yippie! En mode, elle le mérite pas. Quoi? Mais si! Mais juste... Oh là 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 là, j'ai jamais dit ça. Hein. Voilà, hein. Faut arrêter un peu, hein, voilà. Faut arrêter de dire des trucs. On m'accuse de choses que je n'ai pourtant pas faites. Hein. Ah, c'est diffamatoire, hein, franchement. Diffamatoire. Bien joué. Bien joué. J'ai failli me le faire tout seul, mais bon, c'était moins drôle. Ah, c'est comme. Vous êtes là, vous. C'est comme il y a. J'étais chez un stream de nuit. Qui a dit je dis vague, vague, je dis verge, verge. Et moi je lui rajoutais je dis graisse, graisse. C'est un peu comme Brioche qui rajoutait ça en écho dans ses vidéos. Mon... Oui, j'adorais quand il faisait ça, oui, je me souviens. Ah, nostalgie. Au retour du retour, du retour de la seconde chaîne. La seconde chaîne. Zelda Rétro, il y a une chaîne, Zelda Rétro. Il y a un truc. Ah bon. C'est qui ça? BTDR, c'est qui? C'est pas. Bon, il est temps de devenir le chaos. Ouais, essayez pas de... Oh mais attends yeah. Vite, si, si, si. Oh si, vas-y. Non. Oh, 150 000 la grosse batte, c'est ton quand même. Deux pour le prix d'un, c'est y part. Ta maman. Quand il n'était pas à la rue, Brioche. Ah, ça dénonce tout de suite. Oh putain! Ah, il m'a bien fait mal, hein, je te le dis. Ah ouais. Ah, il fait bien, bien mal. C'est un point de combe ou c'est un héros de merde? C'est un héros. Je me doutais bien. Il y en a un, c'est de faire le scorpion à la clé. Mais ça, c'est. Ouais, mais je l'ai déjà fait, je pense. Facile. Je pense que je l'ai déjà fait en plus, ce scorpion à la clé. Ça c'est pas dur. Bah c'est pas aussi pire que genre le B2. Ah par contre quand là, dans le 2. Effectivement quand j'arrive à le toucher, il prend très cher dans la gueule. Mais fais des attaques sautées. Ouais mais l'attaque sautée j'avais jamais le temps de la placer justement. Bah je sais pas, moi j'ai juste couru tout droit. Regarde les attaques normales. En boucle. Regarde les attaques normales. T'as vu comment ça descend vite? C'est mieux. Ouais je sais pas, moi j'ai fait que faut l'attaque sautée. Regarde par en bas. C'est bon, je fais ce que je veux. Où est-il? Ah, contre la montre. Ah merde, 20 secondes. Vite. Décor ravageur. Ah bah, Rift Tripper est passé V5 sans que j'aie l'arme en main. Du coup, j'ai pas eu la cutscene. Oh, GG. Tu vas rebondir longtemps? Une gourmandise. D'accord, si je m'étais pas fait bourrer dès le début aussi vite, ça aurait été, je crois. Ah, le combo tourelle plus rampageur, ah. C'est quand même incroyable. Hein. T'as plus besoin de jouer au jeu. Ah bah ça. Ah et du coup, je vais essayer avec la gigatoile au milieu, là, vite. Faisons la Zelda Strat. Mais je sais pas si... Ouais, si. Ça marche. Ça une gourmandine. Non! En fait, ce truc-là, c'est le pire, je pense. Ah, mais c'est un contre-la-montre, là, on s'en met. Et du gâteau! Ah, faut passer en phase suivante. Ah mais en fait le truc c'est que c'est la pluie de missiles qui me tue tout le temps. Ouais. Ouais. La pluie de missiles elle fait trop mal. Vu que je le collais il la faisait jamais du coup. Ça va. Il me la faisait au pire que quand il arrivait sur le terrain mais. Bien belle parole. Le joueur accusera. Ouh.
Allez-y, jouez donc ensemble. D'ailleurs, à quand la suite de FSA ? MDR. Et c'est de parents, vous ? Un vrai petit comique. Un petit comique. D'accord, mais genre, tu ficherais pas de ma gueule parfois ? Ouais, faut passer en phase suivante hein, à un moment donné. Voilà. Ouais, j'attendrai d'avoir 200 HP si je rate encore là. Mais c'est carré, ouais. C'est clairement faisable, vraiment. Oui. Enfin, bah, je me disais qu'avec l'armure ça irait, mais ça se trouve, ça réduit pas tant que ça les dégâts. Bah, en fait, le truc c'est que je prends cher à cause de. De ça, là. Ça, là, ça me. Voilà, ça me nique. Bon, voilà, je suis à 58. Je suis niqué. Quoi, mais il est pas encore en phase suivante, mais là. Les PV un jour. On va vous mettre d'accord, hein. Ouais, c'est pas équilibré les changements de phase, oui. Ah mais lui aussi il est en V5, faut que j'arrête de l'utiliser. Enfin, de toute façon à un moment elles sont toutes en V5. Pas si grave. Et là t'as le collègue qui continue à faire le mongol derrière là. Et hop là, et de 1. Non ! Ah non hein ! Oh merci la régène du nanotech. Ouais c'est vrai que j'ai eu la régène du nanotech aussi. Ah vite, faut le tuer. Allez, goûte-moi ça, le long Vax. C'est gagné. Bien joué. T'es marié, Nirelia ? Je sais même pas. Ah bon ? Bah dis donc. Zeldo, deviens youtubeur. Voilà quoi. Croustille créature. Je sais pas pourquoi ce titre me fait rire. Deux grosses minutes. Ouais, bah non. Ah, je pense que de toute façon, il est minuit. Ouais. Je pense que le deux grosses minutes, c'est la même chose, mais en deux minutes. Dieu qui. Oh putain, Wizran. Oh là là. Oh, ça part loin quand même, vos trucs. Donc là, il faut que je fasse quoi? Il faut retourner au Phoenix? Ouais, retourne au Phoenix, effectivement. Ouais, et puis après, tu vas avoir le brief pour Aquatos et. Ah oui, le plan Il y a les deux boss encore là. Le plan de Quark. Ouais, avec le time. Le timer. Ah, c'est internet. En même temps. Et juste après ça, c'est le défi à 2 millions, peut-être? Ouf! Et le truc des vidéophones, il marche avec tous les vidéophones pour skip? Ouais. C'est extraordinaire. Et vu que t'avais fait tout à 100%, il me semble, même les points de comp. T'auras plus besoin de les faire. Alors le truc de la du bouclier et de la tourelle, il marche bien ou c'est de la merde? Ouah, c'est moins pire que normalement, mais... Ça reste quand même bien de la. C'est quand tu joues à Dark Souls. Voilà. Demain. Alors, Wizra, comme tous les autres jeux, j'ai quand même fait la putain. J'ai quand même commencé la putain de série de tous les cas. Je pense pas que vous êtes à plaindre en termes de vos jeux que j'ai pas fait. Hein. Vraiment. Il reste Persona encore. Et il reste encore 3 cas à faire. Excusez-moi. C'est vrai. Vous abusez. Et 4. 4. Et encore, vous les avez pas tous fait. Vous avez pas tous fait. Vraiment. Mega Turret Glove. Ah, tu me diras. Parce que moi, si c'est vraiment. En fait, je vais monter, mais je vais juste booster les armes que j'ai déjà. V5, comme ça, j'en suis débarrassé. Ouais. Donc, il est à gauche. Je joue voilà. À Genshin. Ah, mais j'ai tout fini à Opération Destruction, mais il me manque. Le défi à 2 millions, du coup, qui n'est pas encore disponible, visiblement. Le défi Quarkasti. Je vais utiliser ça. Et au niveau des armes, donc, il faut que je monte. Ah mais j'ai toutes les armes. L'annihilaté. Ah ouais, il me manque le telt.
Bon, P4, au moins. Ah, mais j'ai le sniper aussi que j'ai pas équipé. Pas Xenoblade. Oh, mais c'est bon! Fais ce que je veux, je sache. T'as le droit de vivre, hop. T'as le droit de vivre! Putain, et c'est bien pour ça que je fais plus des streams réguliers de jour, hein. Vous me saoulez, hein. Le gars qui part direct, full agressif, tu vois, voilà, c'est ça. C'est un gros whip. Ah ouais, moi, je suis clairement un whip. Je regarde des mais tous les jours. Genre n'importe quoi, Zelda, mais c'est vraiment n'importe quoi. Rentrons un bac. C'est plus que c'était, Zelda rétro, quoi. C'était mieux avant, quand même. Hein. Ouais, c'est vrai, je suis plutôt d'accord. C'était mieux en tant que games, même. Ah, ça, j'ai pas dit. Alors, écoutez, hein, bon... Bon, ça va, ce que vous... Accéder au Red Dead Redemption. Red Dead Redemption. Bon, elle ne montera jamais V5, c'est officiel. Hein. Vous avez vu la barre d'XP. Ça va être compliqué, moi je vous le dis. J'ai craqué, je me suis acheté des Omega. Non, tu t'es acheté des Omega. Non. Ouais, j'ai acheté tout le reste à part le Telt. Enfin, c'est juste des Mega, pas des Omega. Ah, c'est ça. Allez, niveau maximum c'est de nanotech. D'ailleurs, du coup, c'est pas en achetant, c'est en la passant V8 tout à l'heure. Bien sûr. Évidemment, hein, faut pas déconner. Ah bah non. Pouf. Stream cache 3D. Bientôt. Bah oui, mais j'ai déjà fait un stream sur Cache 3D. C'est vrai qu'il y avait du monde en plus quand j'ai commencé Cache 3D, je crois. Je pense qu'il y avait du putain de monde en plus. Je crois que j'avais genre 10 viewers, c'était n'importe quoi. Ah, finalement, hein. Zelda, il dit qu'il va jamais percer, mais s'il fait pas les efforts pour le faire, en même temps, voilà, il abuse, quoi. Il fait pas les efforts. Je vais trigger la cutscene au Félix, comme ça sera fait. Vas-y. Zelda, quoi. Déjà. Ouais. Ah oui, Aquatos, moi, est déjà dans ma liste de missions. Mais c'est quand qu'elle sort la méga tourelle centrale, là? C'est pas possible. Ouais, les dernières manches, je crois. Zardaratra Zoldorotro. Mais ça va pas monter très vite, même avec la tourelle. J'ai toujours pas en V2. C'est pas vrai. Mais attends, la vitesse de... Je l'ai en V2, j'ai menti. Monter. Bah, le problème, c'est qu'elle reste pas longtemps, quoi. Le lance holoboule. Mais tu peux en stack 2 au même endroit. C'est ce que je fais. C'est David qui casse. Et tu vois, l'XP elle monte quand même. Ah, l'XP elle monte pas. Mais combien de tirs il est censé se prendre, le truc? On dirait le truc de deux clans qu'il y avait dans le 2 là. Il fait je me souviens, éclairs. Quand j'avais ma partie sur PS2, j'avais toutes les armes V8 sauf celle-là et vraiment. Je pense que j'avais XP sur Blackwater City. Peut-être que l'XP est mieux là-bas. Je vais être invincible au moins en ayant ça. Oh, oh non, ça l'enlève! Je fais monter vide. Ah, j'ai pas le troupeau de clan. Ouais. Il me semble qu'il y a un troupeau de clan. Elle a monté à la moitié de son XP, ouais. Mais ouais, j'avoue, je ne sais pas comment faire. Ah, et ça, c'est l'ami des Rangers. Je ne sais pas comment faire pour monter cette arme. On va peut-être voir dans les commentaires du héros, peut-être qu'ils ont un truc. Bah, je sais pas, mais... Ouais. C'est vraiment une arme de merde, en du tout cas. Du coup, ça, c'est V4. Bon, au moins, voilà. Ça, c'est P3. Ça va être fun à monter, le rebondisseur. Le rebondisseur, lol. Et le bouclier, bon, il ira se faire mettre au pire. Ouais, c'est 25 points pour l'avoir V8. C'est te dire. Je te rappelle pourquoi t'as jamais eu un Ratchet & Clank. Alors, le truc, c'est que là, c'est parce qu'on est en train de faire du farm d'armes. Mais, en vrai... Après, c'est la photo... Tout très très vite, sauf... C'est la photo erreur, quoi.
On va quand même tout acheter. Voilà, on va remettre toutes les mines au max. Ça coûte quand même 720 balles de faire ça. Quand même, faut pas déconner. Sur Dax avec les robots géants. Sur Dax avec les robots géants, ben. Et sinon, avec la tourelle de opération. Ouais, pourquoi la vie fait de la merde, ouais, c'est vrai. Bah, Spyro, c'est mieux. Oui, oui, pour le coup, Nini, oui. Moi, j'aime beaucoup Spyro, The Dragon, là. Et je préfère même... Mais je préfère Spyro à Crash. Et entre Crash et Ratchet, en vrai, j'arrive pas à trop te dire lequel je préfère. Vraiment. Parce que les deux sont assez différents, finalement. Pour ouais, c'est ça. Autant Spyro et Crash, tu pouvais comparer, là, mais là, on est. Ah, c'est pas juste un platformer, en fait. Là, c'est plus un. Je sais pas trop, c'est un. C'est un défouloir. C'est, ouais, ouais. Bon, du coup, on fera ça la prochaine fois. Je voulais vous montrer, bien évidemment, la liste. Non, je ne voulais pas faire une save state. Combien l'arme ? J'ai 105 et je m'étais trompé de 1 RA, donc c'est peut-être le Ravageur que je. Le. Voilà. L'acide. Le... Ah, voilà, tu as compris. Infecteur. Dévoué récemment, bon bah voilà. Ah, ils ont changé la liste des RA, c'est mignon. Ah, mais vous, vous ne voyez pas. Bah tant pis pour vous. Voilà. Oui, maintenant c'est marqué à droite quand c'est missable et tout. Professional. C'est quand même sympa. Ouais. Alors, unlock. Oh, c'est vrai qu'on pourra peut-être se faire ça la prochaine. Ah, mais on pourra pas les faire en entier, mais on pourra commencer à faire les égouts si tu veux la prochaine fois. Ah, c'est vrai qu'il y a ça. Ça donnera pas mal d'argent du coup. C'est vrai qu'il y a ça. Ah, j'ai eu le Infecto Bomb. My bad là-dessus. De toute façon, ouais, je l'aurais eu, quoi. Je l'aurais vu dans ce qui me manquait. Alors. T'as regardé la fin du stream? Non, 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 le stream n'est pas encore terminé, Nirelia. Après, il y a du développement Solarus. Faut que j'aille voir ouais. Kakash. Il n'y aura pas d'avis? Ouais, je vois ce que commencer. Non, David dort. C'est vrai. Kill 5 Flying Bats on Florana. Ah, ouais, quand même. Complete the Path of Death without a hit. Bon. Mais ça, c'est tous des points de compétence. Ça, ça sent le truc que. Ah, voilà. Marcadia, Cyber Crystals. 10 Tyrannoids, The Tower of Tyrannosis. Ouais, bah ça, c'est tous des trucs de merde. Alors, je, effectivement, j'ai pas fait le 50 Death. J'en ai déjà 9 d'ailleurs. Lol. Obtenir 5 millions de boulons. Voilà, hein, évidemment. 5 millions de boulons dans mon crâne. Je sais pas si on s'est accumulé. J'ai tous les bon, Omega. Après, j'ai les... Il y a même les Ultra derrière, attention. Ouais, bien sûr. Alors, évidemment, tous les boulons de titanium. Il y a les skins qui font bugger le reste des RA. Ne le faites pas tout de suite. Par non, c'était dans le 2, mais ça a été patché. Il y a les trophées. Les trophées. On peut acheter les skins. Les vidéos trucs. Et après, c'est des trucs de merdasse, je pense. C'est vrai que je peux acheter des skins. Je vais faire ça. Ah, mais j'ai pas fait tous les Quark vide commit. Tu te fiches de moi. Ah, parce qu'il compte le secret, j'imagine. Oui, c'est bah, 7. Donc, d'accord. C'est ceux du musée Insomniac. Ouais. Ouais, il faut tout avoir, bien sûr. Dans un playthrough. Robocock. Par quoi? C'est le nom du skin. D'accord, regarde, regarde. Plaît-il? Bah voilà. On en a fait 105 sur 200. J'ai quand même 610 points, hein. C'est quand même pas de la merde. Est-ce qu'on fera tout bah là, je sais pas ce qu'il a. Hein. Écoute, il faudra. Bah, il y a beaucoup, mais il faudra voir ce qu'il reste, surtout quand on aura fini. Il prendra un Robocock s'il veut, hein, du moment qu'il ne m'applique pas. Et non. Moi, je le dis tout le temps, vous faites ce que vous voulez tant que j'ai je ne suis pas impliqué. Un bonhomme de neige. Bien sûr, je voudrais un bonhomme de neige. Un dâne des neiges. Dis, viens jouer avec moi. Ah, ça je ne sais pas. Qu'est-ce qui se passe Non, ne détruis pas ma carte mémoire, s'il te plaît. Ne détruis pas ma carte mémoire. J'ai un peu la flemme de casser ma carte mémoire. Je vais quand même demander... Parce que si il est pas là, s'il est pas dispo Kakash, bon je saurais pas le faire parce que lundi je fais déjà une session de Solarus donc ouais, c'est... Donc voilà, si jamais au pire.
t'inscris, tu vas avoir 1600 primo en streamant Genshin. L'inscription se finit ça à 15h aujourd'hui. C'est quand même dommage, Nirel. Il y a une chance c'est que. Prévenir. Je... une chance que Genshin, maintenant, je m'en fous. Moi, je l'ai dit, j'ai eu mon 5 étoiles. Ah, voilà. Il avait à 16h. Ah oui, bah oui, toi aussi, tu aurais pu streamer en plus, Nini. C'est con ça. Mais c'est autre chose que le stream Discord. Mais il me semblait, la dernière campagne, il y avait ça. Et vraiment, tu peux gagner 1600, mais il faut genre être dans le top 10 des streamers les plus vus ou je sais plus quoi. Enfin, c'était abusé, il me semble. Ouais. J'avais regardé. D'ailleurs, il y a des codes courant de caille, apparemment, ils sont valides que 24 heures. Je sais pas si vous les avez vus. Je peux vous les envoyer si vous voulez. Mais c'est con, hein! Bon, la musique, elle me stresse. Pas pour Wizra aussi, non? Ah, il y avait mon curseur visible! Putain, j'espère qu'il n'était pas. Je pense que non, parce que je l'ai pas vu en tout cas. Ah, mais c'est parce que j'ai dû. Oh, j'ai... Oh, c'est quand j'ai joué à Mario 64 DS. Ah, oh, ça fait combien de temps que je joue à Mario 64 DS? Ça date. Quand même, hein? Ah ouais, quand même. Bah après, pour. On l'a vu plein de fois. Vous êtes vraiment ouais. Extraordinaire, hein? C'est. Après, pour Solarus, ça va. Ouais, mais Solarus, c'est ma capture d'écran que je fais, là, donc... Ah ouais, bon. Ripperino. Ripperiperi. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah. Mais c'était une bonne petite session. Ça faisait longtemps, genre. Ça fait plaisir de rejouer. Les autres m'en fous. Mon cucurbitacé. Cucurbitacé. Ce que je vais faire, cela dit... Oui. C'est que je vais faire une pause de stream, ne fût-ce que pour aller me chercher un petit truc à manger, à boire, etc. Puis après, on reprendra le stream. Du coup, est-ce que je vous... Non, je vous embauche. Parce que ça sert à rien. Hein, parce que je coupe oui, juste allez. Pendant 2 minutes. Donc, je te hais. Ce n'est que de l'amour, Nirelia. Moi aussi, je t'aime. Amour et passion. Amour et passion. Ah ouais! Du coup, je vais faire une pause de stream et après, je vais vous reprendre. Du coup, je vais quand même devoir faire des temps forts. Oh non. Ça me fait déjà chier. Pauvre de vous. Au revoir, YouTube. Hein. Au revoir. Ah. À vos souhaits.